on n'avait pas l'allure d'une équipe de N2 sur la partie de ce soir, donc on sort plutôt logiquement de la compétition. Très déçu, ça met un coup aux objectifs, hein. Ouais, très déçu, parce qu'on espérait être là en janvier, donc s'arrêter au cinquième tour, c'est forcément décevant. Maintenant, encore une fois, contre Mater, on avait eu du mal et qui était en district. Contre Libourne, on a eu beaucoup de mal, même si on a eu un petit peu plus le ballon qu'eux. Mais on ne mérite pas de gagner ce soir, donc on sort logiquement et on va se concentrer sur le championnat et après une sérieuse remise au point dès demain à l'entraînement. C'est seulement leur motivation qui vous a du coup fait perdre ce soir? Ah non, j'ai pas parlé de motivation, hein. On était très motivés. Non, mais eux, sur le plan, on était peut-être encore plus que vous. J'en sais rien, en tout cas nous on l'était. Libourne ne fait pas un grand match non plus, puisqu'ils marquent sur pénalty et ils n'ont pas produit non plus beaucoup de jeux, mais ils ont eu le mérite de marquer, la rage de garder le score en fin de match, et ça a suffi contre notre formation, où nous on a été sur le plan technique beaucoup trop limité pour se créer plus d'occasions et arriver à tromper le portier local. C'est ce qui a manqué aujourd'hui au Stade Bordelais, ces soucis techniques. Ouais, sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, une fois qu'on touchait nos latéraux, on avait beaucoup de mal à s'orienter vers l'avant et à trouver des jeux sur un appui remise et essayer de trouver le troisième joueur sur notre zone de terrain. On a eu beaucoup de déchets là-dessus, ça nous a un petit peu énervé avec le staff, et malgré le... On a essayé de recadrer ça à la mi-temps, mais on n'a pas été brillants sur ce point-là. Je pense qu'au final, la victoire de Libourne est, je le répète, méritée. Bah mais ouais, pas sur l'envie. Ouais. D'accord, pas sur l'envie. Sur la prestation globale. Bah, Bachagoumi aussi a arrêté pas mal de ballons, on en a repoussé pas mal aussi. Ouais, mais il en repousse pas mal, mais il doit faire, je crois, un arrêt décisif. Le reste, c'est sur des ballons aériens, des ballons qui, pour un gardien de son niveau, sont pas super difficiles à arrêter. Alors, il a fait un bon match, mais toute l'équipe de Libourne a fait un match dans la lignée de ce qu'a fait